Not sure I understand. 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 C'est bon, Jojo, tu peux te prendre deux minutes. Monsieur Youn. Joël, bravo, il fait un truc incroyable aujourd'hui, ton cheval. Ouais, c'est... Ben, c'est un champion. Attention aussi, ce booster winner, entraînement de Garato, associé à Eric Raffin. Devant nous, regardez le Saint-Duc à l'Opélève, invaincu en quatre sorties. Alors, il y a un petit souci apparemment avec le Palo Bélé. Allez. Allez, bon travail avec le Palo Bélé. Vous officialisez le mariage quand avec Eric? On va se paxer déjà et puis après on verra. Hein. Merci. Eh, on pense déjà à l'autre. On pensait pas être battu par ce cheval-là, c'est sous. C'était volontaire cette tactique d'aller devant les méchants? Non, involontaire. Mon cheval m'a pris la main un peu à descendre, donc j'ai pas trop voulu me battre avec. Il a bien respiré. On dirait que c'était un coup de génie. Alors. Voilà. Bébé brillantissime, troisième pour le moment. Brutus. Brutus, pardon. Oh là là. Même pas. Il va gêner nous.
Vulcan Millier sans opposition pour le moment, qui file au poteau. Vulcan Millier pour ses débuts de remontée qui se promène dans le prix Xavier de Saint-Palais. La roue Boy, le numéro 6 sera deuxième, troisième place pour le 7. Ah ouais, si c'était pas la faute, on est passé deuxième quoi. Et il aurait pris plus de but. On va vouloir payer hein, ces 4 pour eux. Elle est bien. Ça va par contre. Ouais, dans ce premier. Non, non, même au départ, c'était bien aussi. Les Belges, ils savent partir. Loulou. Super. Ouais, super, c'est dommage qu'elle ait fait une faute en montant. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là à chaque fois? On sait pas pourquoi, je sais même pas si elle le sait. On a vraiment l'impression qu'il y a énormément de marge. Ah ouais, ah ouais. En plus il a gros de poids sous les pieds à mon avis. Moi je pense qu'on détient un très très bon cheval. Le coup du chapeau. Ah salut maman. Avec le président de la République. Eric, il y a le président, il y a le patron, c'est qui aujourd'hui qui me parle? C'est le patron qui vous parle. Est-ce que tu le penses vraiment meilleur que Bocador de Cime, ce brillantissime? Ouais, ils sont bons tous les deux, attention. Filme là? Non, bien sûr que je filme. J'ai envie de dire un truc, je ferai mieux. Arrête de filmer là, on est trop bon là. Vincent, Néné, ces deux dernières courses à l'athlée ont été excellentes. Oui, super. La dernière c'était bien, enfermé, tout ça. Bon, j'avais demandé à Pierre de courir à l'intérieur, donc pour le cheval c'est un bon parcours. Quand tu vois que les deux courses, quinte et l'autre, ils marchent 12 aujourd'hui, c'est ce que je marchais l'autre jour. Mais la différence, c'est que comme Panticona à bar, l'autre jour, il arrivait d'Italie après 12 heures de camion. Et là, il est resté là. Il est resté là quasiment à Melun. Ah oui. Donc, on va essayer un coup monté. Et ensuite, si ça se passe mal, je pense qu'on va peut-être arrêter la carrière. Rassure-nous, quand tu es au sulky, tu calcules tout ça, l'effort de Kumbat Gaz à 3, tout ça, tu regardes tout ça, tu analyses? J'ai que ça à faire. J'ai que ça à faire. Alors. Une course comme celle-ci, elle marche 1:51. 1 minute 51, on a le temps de voir un clip. Hein. Donc on se fait notre clip. Carrément, là tu te grattes la tête là, à ce moment-là? Bah ouais, parce que le cheval, oui, il était bien sur les deux mains, tout ça, il voulait y aller. Puis après, en course, il est un peu tendu. Ça a toujours été un peu comme ça, mais là après, on sent qu'il a pu. Il tire pas de train, quoi, il avance plus. Donc voilà.